L'Aïd el-Kébir est la fête du sacrifice en Allah. Abraham pour les chrétiens, Ibrahim pour les musulmans figurent dans les deux livres saints que sont le Coran et la Bible. L'histoire nous rappelle qu'Ibrahim, en signe de soumission en Allah, après avoir été mis en épreuve à la miséricorde divine, dans la sourate 37, versets 110 à 113, l'ange Gabriel intervient et substitue au fils d'Ibrahim un mouton. Cette fête correspond au 10e jour du mois égérien de Dhul Hijja, en souvenir du sacrifice de notre père Ibrahim. Pour déterminer la date du début de la fête, on se base en effet sur la croissance de la lune qui marque le début du mois. Survenant le 10e jour du Dhul al-Hijja, dernier mois du calendrier lunaire musulman, cette fête vient également clore le pèlerinage à la Mecque.